Bien, salut tout le monde, on se retrouve sur Naruto Slugfest, vidéo rapide du mode PvP en temps réel. Avant de commencer, là je suis déjà en fight, mais avant de commencer, c'était juste pour vous dire que vous êtes limité à 5 récompenses par jour dans ce mode, mais sinon vous pouvez totalement le rush. Donc, je suis tombé. Je suis tombé contre l'assassin. Il m'a engagé dès le début parce que je vous parlais, donc j'étais un peu déconcentré, mais là on va se reconcentrer un peu. On va se soigner tranquille. Ok. Frappe dans le vent. Ok, là c'est impeccable. Bon, normalement là je stun. Non, il a esquivé. Et je renvoie mon clone. Enfin, ouais, on va appeler ça comme ça. En plus j'ai touché, il a plus, enfin moins 40% de défense pendant 10 secondes, j'en profite. Et normalement là c'est bon, c'est gagné. Donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est du PvP en temps réel. Et vous pouvez l'enchaîner, enfin vous pouvez l'enchaîner autant de fois que vous le voulez. Le 0 sur 5 que vous voyez, en plus il y a un système de classement donc c'est pas mal. Ah, j'ai oublié d'activer ma relique. Bon, tranquille. Il a pas de limite sur Shino. Ah, en fait, Shino, il est pas mal. Il a pas de limite de portée sur la cible. Après, faut pas. C'est dommage parce qu'il utilise n'importe comment. C'est bon, c'est gagné. Oh, voilà. On va essayer de trouver un combat rapidement, un autre combat rapidement. Et donc c'était pour vous dire que ma classe est l'une des classes les plus cheatées. Bon, il n'y a pas encore de méta vu que personne n'a atteint le niveau maximum, vu que le niveau maximum à l'heure actuelle c'est niveau 40. Donc on va aller enchaîner un deuxième match pour mieux vous faire vous faire voir comment se passe ce mode. Donc là on a le système, enfin on a le classement, le nombre de points. Bon, là je vous montre ça après le fight. Donc je retombe contre le même joueur? Non, je retombe pas contre le même joueur. Donc il y a pas de matchmaking en soi, donc vous pouvez tomber contre quelqu'un qui a 1000 points comme vous pouvez tomber contre quelqu'un qui a 3000 points. J'ai 1000 points parce que on débute tous avec 1000 points. D'ailleurs, je suis tombé contre quelqu'un de ma guilde. Et c'est possible qu'il me gagne. Peut-être pas. Si juste un avant, je le gagne. Ah, mais sur ça, il peut. En fait, il fait plus de dégâts que moi, sauf que j'ai du soin, donc ça peut être rentable sur la durée. Ah, il m'a éveillé. En fait, faut que j'évite juste son. Non, mais non, j'étais hors de portée. Elle est buggée aussi là. J'étais hors de portée. La tornade, elle est à 20 mètres. Bon, tranquille.
Ah là là, heureusement qu'il y a Ninja Jour ce soir. Bon, comme vous l'avez vu avant que je lance le combat, il y a un système de classement, un système de points. Un système de classement qui varie de 1 à 10 000. Donc, moi je suis, on va dire ici, là, Kincho. Faut juste qu'il change un peu les blases des noms. Comme vous voyez, là je suis à. Bon, je récupère ça. Comme vous voyez, là je suis à 5 défis. C'est juste par rapport aux récompenses en fait. C'est pas par rapport au nombre d'essais qu'on soit limité. En fait, on peut enchaîner autant, mais vraiment autant de fights qu'on peut. Et surtout que c'est pas basé que sur du PVP en fait. C'est pas basé que sur ouais, déjà du PVP, et c'est pas basé que sur de l'argent. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment focalisé sur comment vous jouez en fait. Il y a de la stratégie, faut avoir de l'expérience et tout. Il y a une suite d'enchaînements sur les combos, sur les ressorts, sur les auto-attaques, sur les équipements qu'on faut être équipé et tout. Bon, là, on va enchaîner un dernier si on en trouve. D'ailleurs, j'avais pas capté, mais il n'y a pas trop de son. Donc voilà, on enchaîne le dernier fight avant la fin de la vidéo. Et je vous laisse juste mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça ferait énormément plaisir. Voilà, je vais essayer de temporiser. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de bug. Normalement, je devrais même pas me prendre les dégâts. Il y a des fois, je me prends la tornade, alors je suis hors de portée sur la tornade. Là, je m'éloigne parce qu'il a activé sa relique et sa relique me fait extrêmement mal. Donc j'évite. J'évite un maximum. Là, c'est bon, il a plus sa relique. Là j'ai réussi à le battre. Wow, là c'était tendu. En fait, lui c'est le premier du classement. Enfin, pas premier du classement parce que c'est lui qui a le plus de points. Sinon, je crois qu'il est top 10 dans le classement
Donc là, c'est en termes de puissance et en termes de niveau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, peace!